Bonjour, cher Moldu. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la sixième case de ce magnifique calendrier de l'Avent spécial Halloween. Oh, Avada Kedavra! Heureusement que je n'ai pas ma baguette ou vous serez déjà tous décapités, morts, décédés. Heureusement, je ne l'ai pas. Du coup, c'est ce petit Avada Kedavra avec une tête de mort. Ça représente bien le sort. Des cartes, c'est... Des cartes? Qu'est-ce que c'est? Oh, un rogue. Attendez. Je sors. Oh, un, deux, trois. Oh, c'est un memory. Attends. On a Rogue et Rogue. Rogue 1, Rogue 2. Hop. Ouais. On a Rogue. Alors, c'est quoi ton nom, toi? Je l'ai oublié son nom. On a Bellatrix. Aïe. On a Drago. Mais je crois que c'est... celle dans la maison, là où il y a le serpent. Non, c'est pas un serpent. On a Harry. Oh, il y a Voldemort. Il y a Voldemort. L'ordre des sorciers, j'allais dire. Et le mange-mort. C'est pas un mange-mort, le père d'Omna. Lui, là, je vois c'est qui, mais je sais pas son nom encore. Hein. Voldy. Sans nez. C'est comme vous avez d'un côté Vecnana et là vous avez Voldy. Peter. Je crois que j'ai mon doigt dans sa tête. Peter. Peter quoi? Peter. Et. Nagini. Voilà. Et du coup, c'est un jeu de paires, du coup. Logique. Bah, du coup, c'est logique. Il y a toutes les autres. En double pour faire un memory, c'est logique. Du coup, je vais le remettre dedans pour le retrouver après la vidéo et bah, les, tous les autres jours que je voudrais, quoi. Hop, au revoir, Rogue. En tout cas, c'est grave, genre intelligent d'avoir pensé à faire ça. Surtout que octobre, c'est le meilleur mois de l'année parce que c'est l'automne. Il y a la maraudeur Hera. Mais la maraudeur Hera, c'est quand même un truc de ouf. Hein. Bon, si vous savez pas qui sont les maraudeurs, c'est en gros... comment expliquer? James, Lily, genre les parents de Harry Potter, puis Severus, bon... C'est avant Harry Potter, mais bon, c'est pendant les animaux fantastiques. Enfin bref, je sais pas trop expliquer, mais c'est vraiment une période de ouf. Donc... Je l'ai bien rangé, tout va bien. Et... On se retrouve demain pour la septième case. Et d'ici là, faites des cauchemars.